D'ici 2031, le projet néerlandais Mars One prévoit d'envoyer les premiers colons sur Mars. Mais des problèmes de taille guettent les astronautes. D'abord, les radiations cosmiques qui exposent les astronautes jusqu'à 15 fois la dose limite annuelle de radiation d'un ouvrier de centrale nucléaire. Ensuite, l'atmosphère de Mars est 100 fois moins dense que celle sur Terre et est composée à 96% de dioxyde de carbone, ce qui en fait un gaz toxique. Puis la température moyenne de Mars est de moins 63 degrés Celsius, avec des variations pouvant aller de moins 140 à 30 degrés. Enfin, après un voyage de 7 mois, prévu en l'état actuel, sans retour, l'isolation et la solitude risquent d'être un challenge de taille pour la santé mentale des premiers colons. Surtout lorsqu'on sait que l'espérance de vie d'un humain sur Mars est de 68 jours avec nos technologies actuelles.